comme tout le monde, il avait eu un peu d'enfance en boule de gomme. Et son quartier l'avait connu, grand chef indien de la rue de Charonne. Avec des flèches empoisonnées, il attaquait les diligences. Il y a des gamins dont les idées cavalent plus vite que l'indulgence. Tous les jeudis au cinéma, mon petit copain, il était là dans la nuit de polichinelle, où la lumière tire les ficelles. V'là Tom Mix qui passe au galop, et puis son préféré, Charlot, danser dans ses jolies fantoches. Il y a de l'aventure au fond de ma poche. Deux petits tours et puis voilà, c'est 18 ans qui carillonne. Il aime toujours le cinéma, son cinéma de la rue de Charonne. L'ouvreuse est la plus parfumée, un salut à l'américaine. Puis une blonde platinée qui lui fait de l'œil sans mise en scène. Tous les samedis au cinéma, mon petit copain, il était là dans la nuit de polichinelle, où la lumière tire les ficelles. À la sortie, il se croit quelqu'un, l'ennemi public numéro un, danser dans ses troubles fantoches. Il y a de l'aventure au fond de ma poche. C'était un môme comme vous et moi, un peu plus beau, un peu moins sage. Il a grandi, et puis voilà, il aimait trop les belles images. On l'avait même presque oublié, à part seulement deux ou trois femmes. Puis on l'a revu dans son quartier, juste pour un changement de programme. Et tous les soirs au cinéma, mon pauvre copain, il était là, il y était, mais pas comme on pense, plus dans le fauteuil de son enfance. C'est sur l'écran qu'on le voyait, avec une chaîne à son poignet, actualité Fox Movitone, sur l'assassin de la rue Charonne.